Jean-François Buet, bonjour. Bonjour. Alors hier, vous avez été reçu par la ministre du Logement, Sylvia Pinel. Vous étiez accompagné de Jacqueline Chapleau, votre président adjoint. Premier contact, je crois savoir. Quelles sont vos premières impressions? Alors, c'était un tout premier contact avec Madame Pinel, nouvelle ministre du Logement. Première impression, c'est nous avons une ministre qui prend le dossier et qui le prend à cœur, avec la volonté de mettre en place le plus rapidement possible les décrets d'application pour que on sache précisément comment travailler demain. Justement, à propos de la rapidité de la mise en place des décrets, pour vous, quels sont les décrets qui doivent être mis en place de manière urgente? Alors, comme je l'expliquais à la ministre hier, il y a deux, trois mesures qui nous semblent rapides à prendre. Premièrement, la création du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière avec la nomination de son président, la nomination des membres qui vont composer ce Conseil national et les pouvoirs qu'on va lui donner, en particulier le pouvoir d'intervention au niveau des décrets d'application de la loi Allure. Je crois savoir que vous avez proposé un nom. Je pense que l'ancien président de l'AFNAIM, Monsieur Boussa, est-ce que vous pensez que la ministre va vous suivre sur ce point-là? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les trois syndicats, FNIM, UNIS et SNPI, ont proposé un nom qui est celui de Yves Boussard. C'est le seul nom sur lequel nous nous sommes mis tous d'accord. Et nous attendons que la ministre reçoive M. Boussard pour voir si effectivement c'est le candidat qui peut être retenu. Et concernant le décret sur l'encadrement des honoraires de location, aussi, j'imagine que vous avez pu approcher ou lui donner les grandes lignes de ce que vous souhaitez au niveau des honoraires, notamment des tarifs. Vous pensez qu'elle va vous suivre aussi? Vous pensez qu'au niveau des trois zones, puisque je crois savoir qu'il y a trois zones qui vont être définies? Tout à fait. Pour le moment, nous avons arrêté les trois zones et il n'y a pas de chiffres. Je sais que certains chiffres circulent de la tête des uns et des autres. Il n'y a aucun chiffre officiel sur le montant des honoraires de location sur ces trois zones. C'est lors du prochain rendez-vous que nous allons l'évoquer. Prochain rendez-vous, c'est pour quand? Ce prochain rendez-vous, nous attendons d'abord que la DHUP se saisisse dans l'ordre des dossiers qu'on a remis hier. Et je pense que le mois de mai est un peu compliqué, mais on va avoir maintenant des rendez-vous de travail de façon informelle, peut-être même par téléphone, mais en tout cas très rapidement. DHEP, on peut rappeler ce que c'est, DHEP? Oui, ben, la DHUP, c'est en fait c'est le bras droit du ministère du Logement qui écrit les décrets. C'est la direction de l'habitat et de l'urbanisme. Et nous attendons aussi que la ministre prenne des dispositions sur la mise en application de deux dispositifs qui sont maintenant obligatoires pour nos adhérents. C'est les annonces dans lesquelles il faut mettre le nombre de lots de copropriété, les charges et s'il y a des procédures en cours. Donc j'ai demandé hier à la ministre une simplification de cette mesure. Et puis autre mesure, c'est tous les documents qu'il faut joindre à un compromis ou à une promesse depuis le 27 mars. Et j'ai demandé là aussi une simplification et puis une mise en fonction dans le temps, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué. Et si on ne veut pas bloquer le marché, si on ne veut pas bloquer les ventes, il faut quand même un minimum de souplesse. Donc j'attends très rapidement une réponse sur ces deux sujets. Oui, parce qu'effectivement, par rapport à ces documents que Cécile Duflot souhaitait vouloir annexer dès lors du compromis, paraissait le document relatif au règlement de copropriété, plus de 150 pages en moyenne. Donc on peut imaginer que les compromis aujourd'hui peuvent faire plus de 2 kilos, sachant qu'il faut un compromis pour le notaire, un compromis pour l'agent immobilier, un compromis pour le vendeur et l'acquéreur. Dans l'ère de la simplification aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué quand même. Voilà, on est dans l'ère de la simplification administrative voulue par le Premier ministre, donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc premièrement, on pourrait très bien faire reconnaître que l'acquéreur a eu le document. On souhaite qu'on n'ait pas l'obligation d'envoyer par recommandé tous ces documents. Et bien entendu, nous ne souhaitons pas, encore pire, la création d'un autre document qui remplace l'état daté et qu'on fasse au moment du compromis. Il est hors de question qu'on crée un document. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on se limite à la loi, c'est-à-dire donner la liste des documents qui doivent être joints, les procès-verbaux d'assemblée générale, les comptes de la copropriété, des choses simples que les copropriétaires doivent détenir à chaque instant. Très bien. Donc vous pensez que les premiers décrets vont pouvoir être publiés avant cet été? J'ai bon espoir pour qu'au moins deux ou trois décrets soient publiés avant l'été. D'accord. Donc Conseil national. Conseil national, honoraire de location
et peut-être une mesure de simplification sur les compromis. Très bien, Jean-François, merci beaucoup, à très bientôt. Merci, à bientôt.